Alors, bonjour à toutes et à tous et merci pour le soutien régulier, mensuel, par Tipeee, même si mes contreparties sont irrégulières et éclatées comme mon journal, mais bon, voilà, je travaille comme ça, je vais un peu dans toutes les directions et puis au bout d'un moment, ça aboutit. Et quelque chose que je fais aussi très mal, c'est m'occuper de mes textes écrits. J'ai pas que le réseau Robert Keller à publier. J'en ai plein. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir normalement en fin d'année, automne ou hiver, on verra. Recueil de poésie, mais j'en reparlerai. Là, je voulais parler du réseau Robert Keller, qui est en cours de. Donc, qui arrive. Et qui. Alors là, je me rends compte qu'il manque le titre de mon petit, de ma petite mise en place pour du streaming ou des vidéos. Donc là, c'est plus pour du streaming. Vous voyez, je me présente un peu. On peut écrire ensemble. Payez-moi et je vous relis vos textes, des choses comme ça. Donc ça, c'est à mettre en place ou peut-être à ne jamais faire, parce que j'y arriverai pas à faire du direct sur Twitch ou YouTube avec une interaction. Et le problème, c'est le public, quoi. Comment toucher voilà, des auteurs et autrices débutantes dans ce qui s'écrit beaucoup, à savoir la littérature de genre, le young adult, etc. C'est là qu'il y a des besoins de réécriture, de relecture, de conseils. Moi, je peux les donner, mais voilà, comment arriver là, je ne sais pas. Peut-être vous aurez des idées à me dire. Ou quand cette vidéo circulera dans quelques mois, pour l'instant, elle est privée pour les abonnés. Et dans 3 à 6 mois, je la mettrai en public. Donc, si cette vidéo est en public, maintenant, sachez que voilà, je suis toujours à la recherche de donner des conseils ou trouver voilà, un réseau qui puisse me. Être intéressé par ce que je propose comme écriture orientée sur le style, la forme, vraiment trouver sa voie pour écrire. Après, tous les outils sont bons. On est dans un garage pour ça. Il manque le titre ici, le garage d'écriture, dans la mise en place. Voilà pour la présentation de l'interface. En dessous, vous voyez, là, il y a l'écran. On peut me voir en train d'écrire. On peut pas lire, mais on peut voir en train d'écrire. Donc le réseau Robert Keller. Et je défile et on va lire. Non pas le début où je raconte comment j'ai découvert le panneau de rue du réseau Robert Keller qui m'a donné envie d'écrire l'histoire, avec la coïncidence qui fait que non seulement il est venu à Noisy, mais il est venu aussi dans la ville où je suis allé. Donc Robert Keller a 17 ans quand il devance l'appel le 21 mars 1917. Sa famille, vivant près de Rouen, dans ce qui est un village, rien que par le nom, le Petit Quevilly, face au Croisset de Flaubert, est originaire d'Alsace. On parle de patriotisme et de défendre le drapeau dans le geste de Keller de rejoindre la marine à Cherbourg. Que veut-on défendre quand on est dans sa 18e année, après 3 ans d'atrocité, des enlisements qui tournent au massacre, du gaz, des gueules cassées, plus qu'un gâchis, on n'a pas de mots. Il y a le front ici, mais il y a des fronts partout. Les colonies sont un enjeu, c'est une guerre de territoire qui se joue ici ou là-bas, et tissée dans un réseau d'influence, de rapports de force, tout ça dépasse tout le monde, le nez dans la boue, la poussière, les balles. Qui passe en huant, trace des fils de fer dans l'air, les barbelés emprisonnent jusqu'aux Balkans, au Mozambique, à l'Océanie, le monde vit par la guerre, par les morts. Une usine dont on peut sentir la fumée chez soi fabrique un obus, qui éclatera à Bagdad. Des cartes d'état-major sont manipulées comme des plateaux de jeu d'échecs ou de go. On continue de miner le diamant et de coudre le manteau de fourrure. Des soldats russes enroulent un tissu qui n'est plus blanc autour de leurs pieds gelés. Sans savoir s'ils auront une arme par tête de pipe. Les grèves se déclenchent à Pétrograd. Que sait-on en 1917 exactement des gouvernements qui se succèdent dans cette année, du ministre de la guerre qui est aussi premier ministre? Que lit-on dans la presse du prix du charbon, de celui du pain, du nombre de prisonniers, du moral, des troupes, et de ce que ça veut dire?